Les policiers de Montréal ont procédé à 15 arrestations hier soir liées à l'occupation illégale de bureaux administratifs à l'Université McGill. Quant au campement, ben, il n'a toujours pas été démantelé. D'ailleurs, Yves, vous l'avez visité pour la première fois ce matin? Oui, absolument. Il a été érigé le 27 avril, je le rappelle, le campement McGill qui se trouve juste là. On l'a visité sans invitation, je dois le préciser. On s'est attiré les foudres également de quelques manifestants. Et je ne veux pas faire de jeu de mots avec ce qui va nous tomber sur la tête, d'ailleurs, dans les prochaines secondes au centre-ville de Montréal. Cela dit, Michel, revoyez les images d'hier soir, hein, parce que des manifestants qui ont barricadé plusieurs portes d'entrée de bureaux administratifs non loin d'ici. Ils ont tenté de démanteler des portes intérieures. Les manifestants qui ont aussi vandalisé des parties intérieures et extérieures de l'immeuble Pavillon James pour se barricader à l'intérieur. Les policiers sont intervenus. Michel, pour revenir au campement qu'on a visité tantôt, il y a toujours des dizaines de tentes. On a été interceptés rapidement par des manifestants. Voici ce que ça donne. I don't need authorization. But you the door was there's no one at the door who stopped you, so you came in, but it would yeah. be great if yeah, you could but leave. You didn't have an authorization to go inside the James building yesterday. So do I need an authorization to be here this morning? By us, yes. Oui, l'occupation d'hier, c'est ça viole la loi, ça viole nos politiques et c'est vraiment cette occupation, c'est le dernier événement dans une escalade depuis le début du campement. On est loin de la manifestation pacifique que tout le monde décrit. Pas de clip. Oui, il y a des itinérants qui ont commencé à s'installer près du campement. C'est ce qu'on constate ce midi, effectivement, Michel. Quelques tentes là-bas. Parmi eux, ben, t'as Daniel. Daniel fréquentait récemment un organisme qui s'appelle le Ricochet dans Pierrefonds-Roxborough, qui a fermé ses portes la semaine dernière. Et là, ils sont 4 ou 5 comme ça à avoir érigé leur tente ici. Je reviens avec des réactions à ce sujet plus tard cet après-midi, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.